mais mes merpièces jaunes. Ah, tu piques. Ah, toi aussi, tu piques. Il faut voter Sarko, hein. Ah, ben je sais, c'est moi. Il faut voter Sarko. Les fraises, mes mères. Ma grosse. Oh, t'es bonne comme une entrecôte. Merci, gros Gégé. Carla, faut que Nico revienne. Je vous préviens à tous, si Hollande m'envoie une feuille d'impôt, eh ben je la bouffe. Regarde, Nicolas, je bouffe ma feuille. Il y en a marre des impôts. Faut que tu reviennes, Nico. Ah, je vais revenir, je vais revenir. Tiens, tu vois les petits liftings? Eh bien, je m'auto-lift, tu vois? Voilà, je vais être jeune comme en 2007. Voilà comment en 2007 je vais être jeune. Oh, mais calme-toi, mon petit Wistiti. Mais je vais revenir, Carlita, je vais revenir. Mais oui, tu vas revenir. Depuis que j'étais parti, c'était la zizanie au peuple de droite. Tiens, prends ça. Enfin, Fillon, tu peux pas être chef. Regarde tes sourcils, ils sont beaucoup trop gros. Regarde-moi ça. Ta gueule, Copé. Comment ça, ta gueule? Prends ça, tiens. Espèce de... De côté, il y avait Copé qui se croyait tout permis. Poussez-vous, je passe. Je suis chef, je m'en fous. Ça va, tranquille. Et de l'autre, il y avait Fillon les gros sourcils qui avait pris cher. Ah oui, en effet, vous avez pris plein la gueule. Aïe, mon bras. Du coup, j'avais décidé de revenir. Liliane, mes méchants points. Tu dors? Allez hop, je pique ses dents en or. Il fallait bien que je finance mon retour. Quant à ma famille politique, elle m'attendait à bras ouverts. Aïe! Enfin, à main ouverte. Hé, Fillon les gros sourcils, viens, on fait comme avant quand t'étais mon sous-fifre. Aïe! Hé, Xavier Bertrand, tu veux pas qu'on s'assoie? Carlita, il m'a tapé! Mais pourquoi tu restes pas plutôt avec moi? Du coup, on est parti en tournée mondiale avec Carla. Oh la vache, tu t'es grande hein, quand même. Attention ma Carlita, parce que C'était super la tournée. Sur le chemin, j'ai montré à Carlita le Sénat et son sympathique président, Gérard Larcher. Ah mais il fait faim, hein. Après, Carla m'a présenté les Daft Punk sans leur casque. Après, on a croisé deux singes qui avaient dormi chez Joe Star. Oui. Les pauvres, ils se sont fait éclater. J'entends plus. Et puis, on a assisté à la remise de Légion d'honneur de Didier Barbelivien. Ah, il était fier. Et puis, moi aussi, j'ai croisé Joe Star. Hey, mon oreille. Et puis, arrivé aux Seychelles, on a vu un truc incroyable. Des pingouins échoués sur une plage. Alors, moi, président pingouin, je vous ai pas dit que vous emmènerez aux Seychelles? Je sais pas qui que c'était leur chef, mais ces cons-là étaient en train de crever de chaud. Je peux plus respirer. Oh, c'est trop chaud, là. T'as vraiment des plans à la con, François, hein? Et allez, j'avais content. C'est bien les gens de gauche, ça. Du coup, j'avais trouvé un nouvel objectif. En 2017, je voulais niquer le pingouin. Are you talking to me? Allez, viens te battre. C'est marrant, j'entends la voix d'un petit être, mais je ne le vois pas. Il est là-bas, peut-être. Foiré de pingouin. Mes amis, j'ai une grande idée. Je vais faire le mariage gay. Pour les pingouines. Dominique, tu m'écoutes? Bonjour, mademoiselle. Vous êtes hôtesse de l'air, je vois.